Aujourd'hui, je parle de Sniper Wolf. Je mets la chemise. Yo les gars, c'est Nexta, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Encore une fois, mais pour une vidéo réaction, ça fait quand même un bail que j'ai pas fait de vidéo réaction. Du coup je me suis dit, let's go, on va quand même remettre ça sur la chaîne YouTube. Vous avez adoré les vidéos réactions. Donc s'il vous plaît les gars, pour cette vidéo réaction, maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau aussi, ça serait vraiment cool de ta part. Comme ça, on pourra obtenir les 100 000 abonnés le plus rapidement possible. Aujourd'hui les gars, on va parler de Sniper Wolf. Donc c'est une youtubeuse à l'heure actuelle qui a plus de 6 millions d'abonnés. Et même il me semble 7 millions, donc c'est un truc de malade mental. C'est une youtubeuse américaine et du coup je me suis dit let's go, on va quand même en reparler d'elle parce que j'ai déjà fait une vidéo réaction et j'ai mis la petite chemise parce que c'est Sniper Wolf, tu vois, c'est la youtubeuse qui est là, frérot, c'est la youtubeuse qui est là, tu vois. Du coup je me suis dit let's go, on va quand même jouer le jeu, mettre la petite chemise et du coup faire la vidéo réaction. Du coup les amis, moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire une petite vidéo réaction sur une de ces vidéos, une vidéo où elle joue au sniper et au pistolet, donc voilà. Et du coup je me suis dit let's go, même si cette vidéo, la vidéo Sniper 1 Gameuse, ça aurait été cool que ça soit l'autre vidéo réaction. Bah du coup je me suis dit let's go quand même. Au début je vous ai fait un petit montage tout simplement de ces meilleurs clips sur Call of Duty Black Ops 3, histoire de vous restructurer un petit peu la gameuse et là bah, la joueuse qu'elle est, quoi, tout simplement. Quoi? Elle a pas un feed, wesh. Mais what? Mais j'avais pas vu cette vidéo les gars. Je vous jure, j'avais vraiment pas vu. Pas mal du tout de... Why? Why? De donner de la chance aux personnes et voilà, c'est assez cool. Non, non, la quoi de fine écorchée en mon pote. Non mais frérot, elle est vraiment hyper forte. Oh, je suis sur le cul, wesh. Non, what? Mais arrête. Mais gros, oh, moi je vous parle vraiment sérieux les gars. Pour moi, elle n'a pas ce... elle n'avait pas ce niveau. Non, non, non. Oh my... What the fuck? Et du coup on part maintenant les gars, c'est parti pour sa vidéo. Donc là il y a Sniper Wolf en bas à droite, on peut voir que c'est une fille quand même. Non, elle est vraiment super jolie, elle est vraiment super jolie, y a rien à dire pour ça. Et elle fait vraiment du bon contenu en ce moment. Elle fait du contenu tout simplement, des vidéos, beaucoup de vidéos réactions, etc. Sa chaîne, elle était en train de couler un petit peu quand elle faisait que du gaming, c'est à dire de l'Overwatch, etc., etc. Et elle a vraiment bien réussi à augmenter grâce aux vidéos réactions, etc. Elle a fait quand même pas mal de vidéos qui ont marché. Et du coup je suis vraiment content pour elle parce que elle était vraiment dans une phase de démotivation totale. Et du coup ça me fait plaisir qu'elle soit remotive, etc. Bah pour YouTube et pour ses vidéos. Là on peut voir qu'elle est simplement sur la carte remasterisée de Red. Donc c'est une map DLC sur Black Ops 3 qui est vraiment super cool. Malheureusement moi je tombe plus du tout sur cette map à l'heure actuelle parce que c'est une map DLC de base. Et du coup on peut voir qu'elle joue tout simplement au Locus avec le petit gun et le petit Dark Vader. Donc ça fait plaisir, on peut voir qu'elle est en série de 5. Mais du coup comme je vous l'ai dit les amis, malheureusement cette vidéo va pas être, comment vous dire, comme je l'aurais voulu, parce qu'en gros, la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur Sniper Wolf, ça aurait dû être celle-là, tu vois, genre Snipers 1 sur Black Ops 3, ça aurait dû être celle-là, et malheureusement, j'aurais dû réagir sur cette vidéo, mais on va voir quand même qu'elle est vraiment super forte, donc let's go, Abby, on va se focaliser un petit peu plus sur le gameplay, c'est parti. Pas mal de chute, pas mal, elle est là, ok. Aussi on peut voir dans son PSN qu'il a tout simplement TK, donc c'est une... c'est Team Caliber. Oh la triple, la petite triple, non elle est sympathique. La petite triple elle est sympathique malgré qu'elle n'est pas on screen. Mais elle est dans la Team Caliber les gars, donc la Team Caliber pour ceux qui ne connaissent pas. Et en plus sur World War 2 c'est tout simplement une team tout simplement compétitive de base. Et voilà, ils se sont un petit peu focalisés un petit peu sur les streams, etc. En recrutant certains gamers, certaines gameuses sur Twitch, etc., etc. Et du coup cette Team Caliber a gagné la MLG. Donc a gagné la MLG, a battu tout simplement Optic Gaming 3-0. Donc il y a Scump, Karma, Crimsix et Formal 3-0. Ils ont battu Splice, donc c'est la meilleure team européenne à l'heure actuelle. Et du coup c'est vraiment une très bonne team, et je suis vraiment très content qu'elle soit dedans parce que bah, y a vraiment des choses à faire dedans. Et je pense qu'elle a beaucoup plus évolué sur Twitch, etc. en termes de stream grâce à cette team, la Team Caliber. Du coup c'est vraiment sympathique. Malheureusement à l'heure actuelle sur cette vidéo on peut pas voir son vrai niveau au sniper, on peut voir son niveau au gun hein, comme vous le constatez. Mais malheureusement on peut pas voir vraiment son niveau au sniper. On a pu le voir grâce au montage au début et grâce aux autres vidéos. Mais malheureusement je peux pas re-réagir sur une vidéo que j'ai déjà faite, tu vois ce que je veux te dire. Allez on veut des kills au sniper, c'est bon, tu mets des triples au foudrement, on veut des kills au sniper s'il te plaît. Allez, ok, la sortie de sniper. Non, y va, non, pars pas, s'il te plaît, des kills au sniper. On veut du kill au sniper, allez s'il te plaît. Nice, voilà, premier kill. Le kill les gars au sniper, let's go baby. Et pour ceux qui connaissent des gamers simplement,
petit double sympathique, encore un spawn, attends, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va faire un kill. Non, dommage. Pour ceux qui connaissent des gamers, etc., qui sont forts au sniper, pour moi, à l'heure actuelle, c'est Sniper Wolf qui était la meilleure au sniper, comme vous l'avez vu au début de la vidéo et au clip qu'elle a réalisé. Franchement, elle a un petit niveau. Elle a un petit niveau au sniper, etc., même si elle le montre pas dans cette vidéo. Mais vraiment, elle a un petit niveau et pour moi, c'est la meilleure joueuse au sniper sur Black Ops 3. Pour vous, quelle est la meilleure joueuse au sniper sur Black Ops 3, dites-moi en commentaire les amis, ça me ferait vraiment super plaisir. Parce que moi, à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment elle. Encore un petit kill au sniper qui fait plaisir parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Encore une double. Non, franchement, on n'en voit pas beaucoup, du coup, ça fait super plaisir de voir des kills au petit sniper. Et elle est vraiment forte au petit gun, elle se débrouille vraiment bien. Petite marqueur, dommage. Nice, super. Allez, encore. Allez, va dans le spawn, Sniper Wolf, allez. Oui, petit kill au sniper, let's go baby. Et pour comme elle a dit au début de la vidéo, etc., etc., elle a dit tout simplement que Black Ops 3 était vraiment un jeu fun, un jeu où tout simplement il y avait pas mal de diversité, etc., etc., par rapport à tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, franchement, elle a raison, je pense qu'elle a raison, elle fait quand même quelques petits kilos sniper. Oh, la petite triple à la pointe de choc, sympathique, vraiment sympathique à voir. Et du coup, voilà, comme elle a dit, le jeu Black Ops 3 est quand même un jeu super cool, tu vois. C'est vraiment, on va pas se mentir, un très très bon Call of Duty Black Ops 3. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux multijoueurs, retenez bien ça, multijoueur de ces 3-4 dernières années, parce que on va pas se mentir que World War 2 en multijoueur est pas top du tout. Bon, il est bien en compétition, etc., parce que moi tout simplement je faisais de la compétition, j'ai repris un petit peu la compétition sur World War 2, j'ai joué Splice, etc., la team qui a perdu contre sa team tout simplement en finale du championnat, enfin du plus gros tournoi où il y a toutes les meilleures teams du monde. Mais voilà, franchement World War 2 est pas top en multijoueur. Pour moi, World War 2 est vraiment naze un peu en multijoueur, parce que tout simplement moi je tombe que contre des mecs super chauds, parce qu'en fait j'ai un bon rush, etc., etc., et je trouve ça dommage. Alors que quand j'ai repris Black Ops 3, quand je suis reparti sur Black Ops 3, il y avait vraiment des très très bons salons, des games où tu pouvais t'amuser avec tes amis, et voilà, tu vois, tu pouvais faire quelque chose. Mais franchement, World War 2, pour moi, ils ont totalement niqué leur jeu. Le jeu était bien et ils ont totalement niqué leur jeu, c'est dommage, c'est pas notre faute, voilà, c'est pas nous, c'est à eux de s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que simplement le jeu était cool, etc., etc., et pour moi ils l'ont totalement détruit, dégoûté, et ça me fait vraiment chier. Bref, on a fini avec un petit 49-13, ça fait plaisir. Bon, on a fait un petit peu 26 milliards de kills au gun, on va pas se mentir, mais franchement, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, elle a vraiment un très très bon niveau au sniper. Et si vous voulez voir vraiment beaucoup plus son niveau tout simplement au sniper, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo réaction que j'ai faite sur elle au sniper. Ouais, je veux vraiment que au sniper, etc., etc. Et là c'était vraiment insane, vous allez voir, vraiment les réactions sont insane aussi, parce que elle met vraiment de bonnes choses. Du coup, en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel youtubeur, youtubeuse tu veux que je réagisse. Je vais vous faire des vidéos réactions aussi sur Fortnite, parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé et ça peut être vraiment super intéressant. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, c'était Nextaz, on se retrouve demain pour la vidéo. Peace.